Bonjour, je suis présidente du SAGE Loire Amont, c'est-à-dire le schéma d'aménagement de gestion des eaux de la Loire Amont, du Mont-Gerbier-de-Jean jusqu'à Bassan-Bassée, donc 180 communes de près des sources. L'objectif de ce film, c'est de vous montrer toutes les bonnes pratiques qui existent déjà et qui sont mises en œuvre par les acteurs, ici les acteurs locaux, que ce soit des industriels au niveau de leurs procédés pour utiliser moins d'eau, que ce soit des agriculteurs. C'est aussi vous donner des pistes pour la maison. C'est aussi vous parler des syndicats des eaux ou du CICALA qui agissent aussi avec la Fédération de pêche sur la continuité écologique. Voilà, toutes ces bonnes pratiques, elles existent. Il faut qu'elles se multiplient. Les statistiques nous donnent un petit peu le montant d'une consommation d'une personne. Donc en euros, c'est 177 euros par an et sur une consommation de 60 mètres cubes par an. Mais ce qui n'est pas inintéressant, c'est de voir un peu l'empreinte eau. Alors c'est les transports, c'est les produits, l'élaboration des produits, etc. Et là, on arrive à une empreinte eau de 1875 mètres cubes par personne. Donc je crois que la responsabilité est plus large et on se doit d'améliorer les circuits, d'améliorer les process aussi et d'essayer de consommer des produits locaux. On consomme dans tous les compartiments de la vie, donc par l'alimentation, mais également aussi dans la consommation de l'habitation et accessoirement à l'extérieur, sur le jardinage, sur le lavage des voitures, etc. etc. On porte un peu la consommation de l'eau au robinet plutôt que de l'eau en bouteille. C'est 65 fois plus cher et surtout au niveau environnement, l'effet de serre, c'est 366 fois plus que l'eau du robinet. Au niveau de la salle de bain, un bain est à éviter puisqu'on consomme trois fois plus qu'une douche. Au niveau des toilettes aussi, qui est un gros poste, qui ne paraît pas comme ça, mais il y a maintenant des mécanismes qui permettent de réduire par deux un peu la consommation de chaque chasse. Pourquoi utiliser des produits qui coûtent cher, qui polluent, alors qu'avec des produits très simples, en fait, on peut faire tout son ménage à la maison, au garage, partout, sans polluer. Alors régulièrement, j'organise des ateliers sur différents thèmes. Aujourd'hui, on va voir comment on fait sa lessive avec des copeaux de savon, mais ça peut être aussi sur d'autres produits, sur le savon noir, sur le bicarbonate de soude. C'est que c'est des produits qui sont efficaces, hein, qui nettoient très bien, qui sont écologiques, qui ne polluent pas, parce que c'est pas anodin ce qu'on vide dans nos éviers ou ce qui va dans les rivières après. Et c'est super économique, donc pourquoi se priver de ça? Et alors souvent, je dis à mes clientes, le message souvent que je leur dis, c'est le propre ne sent rien. Nous gérons une commune de 2800 hectares, concernant la superficie totale, 3600 habitants, et nous avons de nombreux villages. Tous ces villages nécessitent des entretiens réguliers et un investissement en personnel et en matériel important. Pour le respect de l'environnement, de la biodiversité, nous avons donc mis en place des pratiques plus vertueuses. Le zéro phyto, bien avant la loi. Nous avons aussi mis une gestion de l'eau concernant nos arrosages avec des techniques mécaniques. Nous, globalement, on est satisfait. On est moins, on va dire, exposé aux produits chimiques. Moi, je conseille quand même d'aller dans ce sens-là, parce qu'on a la conscience de laisser le sol à nos enfants en bon état. Et même pour l'utilisateur, c'est quand même mieux de bosser dans des conditions sans produits chimiques. La décision de ne plus prendre des produits phytosanitaires a été prise dès notre arrivée aux commandes de la commune. Donc il a fallu trouver des alternatives. Alors là, on s'est appuyé sur une équipe de salariés des espaces verts qui a été très réceptive et ça a permis de changer nos méthodes de travail. Déjà, le fait de pailler, de recouvrir les massifs, la terre des massifs, ça diminue les besoins d'eau en plein été. Mais sur notre consommation d'eau pour l'arrosage, c'était sur les terrains de sport. Et donc là, on a une réserve d'eau qui se remplit. Alors maintenant, on respecte des dates, c'est-à-dire de novembre à avril. On peut la remplir en laissant des billes réservées sur la petite rivière qui l'alimente. Et le reste du temps, on ne puise plus dans la rivière. Je crois qu'il faut penser à la terre qu'on va laisser à nos enfants,
La terre, c'est la commune, ce sont nos espaces verts. Tout ceci, il faut leur transmettre un environnement propre, sain, bien géré, et puis pour que ça continue. Voilà, donc cet ouvrage a été mis en place avec l'aide de l'EPL pour justement donc avoir une mémoire de la crue du 21 septembre 80. Et ici, il y avait à peu près 1,80 m d'eau. Alors les conséquences, heureusement pour nous, donc les anciennes municipalités, je dirais les anciens maires, n'ont jamais donné de permis de construire en zone inondable. Alors les mesures, donc ce sont essentiellement des mesures pour protéger le village du bourg de Cussac. La Loire, eh bien, on essaie donc avec le CICALA de pouvoir dégager les troncs d'arbres, si vous voulez, qui sont morts, de pouvoir effectivement donner, comme je disais tout à l'heure, bon, à la nature ses droits, mais quand même retrouver un peu son lit. Et aussi, nous avons donc sur le plateau évité des constructions en zone constructible pour justement éviter que d'imperméabiliser les sols et qu'on puisse, à ce moment-là, l'eau s'infiltre plus facilement que d'avoir aussi soit des fossés, donc ils sont busés, soit des cours imperméabilisés. Et nous avons bien sûr à cœur d'assainir les villages. J'avais construit une station d'épuration que l'on a donc refaite avec une équivalent de 3500 équivalents habitants. Et nous prenons une partie de deux communes, la commune de Saint-Christophe et la commune de Solignac, qui viennent aussi se déverser ici. C'est-à-dire que petit à petit, on arrive à assainir notre fleuve Loire. Le fleuve Loire, je lisais aussi sur des archives que c'est un fleuve généreux, mais qui est impétueux, et il faut vivre avec. Donc on est ici sur la rivière Lagagne, qui est une rivière donc gabarit moyen. Donc on est très proche ici en fait de la confluence de la Loire, hein, donc sur la partie vraiment aval du cours d'eau. À cet endroit, donc, on trouvait un seuil qui servait à alimenter un ancien moulin. Ce barrage était particulièrement gênant dans le sens où c'était le premier en fait, que rencontraient les poissons depuis le fleuve en remontant. Donc les propriétaires sur les cours d'eau classés doivent rendre leurs ouvrages franchissables. Donc on leur demande effectivement de restaurer la continuité écologique. La notion de continuité écologique, c'est permettre la circulation des espèces. On a souhaité accompagner le propriétaire dans un projet de suppression de cet ouvrage. On lui a proposé une assistance complète, en fait. On est devenu maître d'ouvrage des travaux, du projet, des études et des travaux. Et donc, on a tout conduit pour lui. Dans une perspective de réchauffement climatique, de changement climatique qui est là, maintenant. On n'est même plus dans une perspective, on est dans ce qui nous arrive maintenant. Les espèces de poissons, hein, qui sont chez nous des espèces d'eau froide, vont avoir de plus en plus besoin de se déplacer pour aller rechercher des zones thermiquement plus fraîches en fait, sur l'amont des cours d'eau. Si elles n'arriveront pas à faire ça, elles risquent de disparaître. La restauration de la continuité écologique est un point primordial effectivement, de la restauration de nos ressources piscicoles. Toutes ces bonnes pratiques, il faut qu'on les diffuse. Il faut que chacun s'en empare individuellement, en tant que professionnel, en tant qu'usager, qu'on soit dans le domaine du privé comme du public. Voilà, alors mobilisons-nous. Il faut qu'on fasse mieux pour maintenir en quantité et en qualité ce magnifique territoire qu'est la Loire-Amont. Alors allons-y.